Deux ans de travail, il en a fallu, deux années pas complètes parce qu'on a aussi d'autres choses à faire à Carpe Diem, mais deux années auront été nécessaires pour qu'on arrive enfin à mettre en ligne notre nouveau site internet. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de faire cette vidéo pour vous présenter notre site. Alors, il y a encore un petit peu de travail hein, pour tout vous dire, mais on va dire que 99% du site est fait. Comme vous allez voir, il est assez original. Je pense pas que vous en ayez vu des comme ça, ou alors il n'y en a pas beaucoup. Bah, tout simplement parce qu'on a décidé de ne pas faire du WordPress ou des templates comme on voit beaucoup aujourd'hui sur Internet. Et bah, je vous le montre juste après ça. Donc oui, deux années de travail. Bon, pas totalement encore une fois, parce que nous avons fait, comme je vous l'indiquais, bien d'autres choses durant ces deux années. Mais il y a deux ans, nous avions entamé ce chantier-là de rénovation de notre site web. Et puis bah, finalement, en termes de rénovation, ça s'est terminé par on change tout. On fait rien comme avant, parce que déjà, le site d'avant, il était un petit peu original. Alors, j'irai pas jusqu'à vous dire qu'il était magnifique, mais en tout cas, il était, on va dire, comme on dit, fait maison. Et là, déjà, il y a donc 5-6 ans, quand on avait fait le site précédent, eh bien, on avait décidé de ne pas utiliser de template. Bon, ben, c'est exactement la même chose aujourd'hui. On a décidé, alors aujourd'hui, en tout cas, qu'il est en ligne, nous avons décidé, il y a deux ans de cela, de refaire un nouveau site internet. Alors à l'époque, c'était Tristan qui avait commencé à développer le site web. Donc on s'était dit, allez, on fait un site un petit peu comme tout le monde. Donc on avait fait, vous savez, un site à panneaux. C'est-à-dire, en gros, vous avez une seule page que vous descendez, vous descendez, vous descendez et vous arrivez un petit peu sur toutes les rubriques du site. Bon, il m'avait rendu, on va dire, ce travail-là. Et puis franchement, au bout de deux jours, je m'étais dit, non, mais on ne va pas défaire un site internet qui était un peu original, j'ai pas dit beau, hein, j'ai dit un peu original, pour un site à panneaux, on va dire un petit peu comme tout le monde, à savoir que Carpe Diem, depuis 25 ans, n'est pas forcément la société informatique qui fait comme tout le monde. Donc on s'était dit, bah non, finalement, on enlève tout et on recommence à nouveau. Donc on a recommencé. Et on a recommencé, bien, je vais me pousser un petit peu pour vous le montrer, parce que là, quand même, je vais pas faire toute la vidéo en vous parlant du parcours jusqu'à maintenant, je vais quand même vous le montrer. Donc là, tel que vous le voyez, c'est, on va dire, une constellation de verrous. Alors les verrous représentent tout simplement la sécurité qu'on met vraiment dans toute nos démarches, alors que ce soit de la téléphonie, que ce soit de l'informatique, que ce soit des interphones, que ce soit du monde du cloud, ce que vous voulez, de toute façon la sécurité est à tous les niveaux à Carpe Diem. Et donc voilà, on s'est dit, bah tiens, la constellation avec les verrous, ça représente pas mal de choses pour nous. Voilà, donc on a commencé là-dessus. Puis alors, comme vous le voyez, ça bouge. On s'est dit, bon, alors sur quelque chose qui bouge comme ça, comment on pourrait faire quelque chose d'original? On a posé nos petites rubriques qui composent notre menu. Alors à travers toutes ces petites vignettes, voilà, on va les appeler des vignettes, c'est les différents items finalement de notre menu. Donc vous avez par exemple notre philosophie, donc je vais cliquer avec vous. Donc dans notre philosophie, Carpe Diem, vous connaissez évidemment la signification, donc c'est profiter de la vie au moment présent et vraiment avec cette année Covid, là, un an et demi, même si c'est pas terminé, je pense que ça a pris vraiment tout son sens de profiter de la vie au temps présent, c'est-à-dire vraiment profiter de chaque instant. Bon, eh bien, tout cela, c'est bien, mais c'est un peu de la philosophie. Et donc, dans la philosophie de Carpe Diem, il y a la première chose qui est l'écoute, la deuxième chose, la disponibilité, l'adaptabilité, et puis enfin, définir avec vous des objectifs pour rendre plus forts nos clients, pour les armer tout simplement par rapport aux nombreux défis qui sont aujourd'hui face à la montée en puissance du numérique. Et bien évidemment, et bien à travers tout cela, on vous présente des solutions adaptées à vos besoins, qui sont ni des solutions type usine à gaz, ni des solutions onéreuses, qui sont les solutions qui correspondent vraiment à votre besoin. Et bien pour vérifier tout cela, bien évidemment, il y a la traçabilité. Et la traçabilité à Carpe Diem, c'est vraiment quelque chose de fort. C'est quelque chose qu'on veut
vraiment mettre en avant. Et donc, bah, comme vous le verrez sur notre site web, on vous parle de deux points en parlant de la traçabilité, de GLPI, parce que GLPI est notre outil de ticketing, et notre outil de ticketing bah, est totalement accessible à nos clients. C'est-à-dire que nos clients vont pouvoir s'y connecter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et puis surtout quand ils en ont le besoin, ils vont pouvoir aller voir bah, tout simplement qui a traité leurs demandes, comment ont été traitées leurs demandes, en quel délai ont été traitées ces demandes, et puis surtout bah, si la demande a trouvé, on va dire, une bonne solution. Et vous avez vraiment donc la possibilité d'avoir toute cette traçabilité avec Carpe Diem. Et quand on pousse un peu plus loin, eh bien on peut vous mettre en œuvre des solutions type Zabbix. Zabbix, on vous avait fait une vidéo à ce sujet-là avec Mustapha. Je vous remettrai le lien juste au-dessus de moi. Alors voilà, donc la traçabilité est quelque chose d'important à Carpe Diem, mais bien sûr, il faut avoir à travers tout cela bah, quelles sont nos compétences. Et les compétences, eh bien, c'est ce qu'on vous propose de voir sur cette page, à travers lesquelles on vous présente tous nos partenaires. Et nous sommes très heureux de pouvoir mettre à l'honneur sur notre site internet bah, notre partenaire, parce que tout simplement, c'est avec eux qu'on travaille toute l'année, que nous sommes heureux de pouvoir vous proposer, bien tout simplement parce que ce sont des partenaires qu'on connaît depuis très 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 longtemps. Imaginez-vous un petit peu, ici on vous parle de StormShield. StormShield, eh bien ça va faire 21 ans qu'on travaille avec StormShield. Alors à l'époque, ça s'appelait Netas. Je vous remettrai là aussi une vidéo que vous irez voir, vous savez, dans les à regarder plus tard. Pour l'instant, vous restez avec moi. Mais StormShield, voilà, ça fait juste 21 ans qu'on travaille avec eux. Donc c'est vraiment des partenaires aujourd'hui, on peut le dire. Et puis après, on a des partenaires un petit peu plus récents, comme Dynabook. Donc Dynabook, ça va faire un an ou deux qu'on travaille avec eux. Mais en fait, avec Toshiba, qui était donc l'ancien nom de Dynabook, bah, on a travaillé pareil depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Et puis bien évidemment, je ne peux pas oublier Eaton. Eaton, qui est notre partenaire là aussi depuis très 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 longtemps. Ça s'appelait MGE avant, enfin Merlin-Gerin avant. Donc vous voyez, là aussi c'est pareil. Ça nous ramène quelques années en arrière. Et puis bien évidemment, Intel, HP, Apple, alors Synology, enfin bref. Vous les avez tous bah, sur le site internet que je suis en train de vous présenter. Et tout ce matériel ne serait rien sans une couche logicielle, que ce soit l'OS ou la couche applicative, les logiciels qu'on a au-dessus. Et là aussi, bah, vous allez retrouver Apple, parce qu'on les a un petit peu dans les deux mondes. Vous avez McAfee. McAfee, c'est pareil, c'est un partenaire historique à Carpe Diem. Ça doit faire là aussi quelque chose comme 18-19 ans que nous sommes partenaires avec McAfee. Nous avons le partenaire que vous connaissez tous, Microsoft. Microsoft, là aussi, bon, bah là, ça fait depuis 1995 avec bah, tout simplement Windows 95 qui était, on va dire, l'un des premiers Windows modernes avec une interface moderne que tout le monde a eu. Alors, c'était peut-être pas le meilleur, mais en tout cas, à l'époque, c'était quand même une référence. Et puis, bon, vous retrouvez des partenaires que vous connaissez ou vous connaissez pas. Si vous les connaissez pas, bah, je vous engage à cliquer justement sur le petit plus en dessous, et là en dessous vous avez En savoir plus, et En savoir plus, on vous présente eh bien un à un chacun de ses partenaires, bah, tout simplement pour vous dire ce que l'on fait avec eux. Voilà. Et puis alors dans les partenaires, j'ai oublié un partenaire qui est aussi un partenaire, alors pas historique, mais un partenaire auquel on tient beaucoup, c'est tout simplement BIMO. BIMO, qu'on vous propose pour vous sauvegarder vos données et vos systèmes d'exploitation, qu'ils soient dans le cloud, qu'ils soient chez vous. Avec BIMO, on aura toujours une possibilité pour aller sauvegarder vos datas. Alors, bien évidemment, c'est aussi des nouvelles technologies. Vous savez qu'à Carpe Diem, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Tout ce qui est nouvelles techno nous intéresse. Donc, il y a eu l'imprimante 3D que vous pouvez retrouver sur notre chaîne également. Vous avez Monayoti. Monayoti, une plateforme web privée pour aller gérer vos équipements connectés, que ce soit des IoT, des mini PC, et puis on vous réserve des surprises. On est en train de vous préparer de nombreuses vidéos à ce sujet-là. Alors, bah, bien évidemment, Carpe Diem, c'est une société d'informatique, de prestations informatiques. Donc, sur notre site internet, vous pourrez retrouver nos contrats de maintenance. Donc là, sur cette page, eh bien, on vous indique un petit peu quels sont nos contrats de maintenance. C'est aussi un opérateur télécom. Carpe Diem, depuis maintenant pas loin d'une dizaine d'années, eh bien, installe des systèmes de voix sur IP dans les entreprises. Et nous sommes opérateurs télécom depuis maintenant 3-4 ans. Nous avons notre numéro ARCEP. Et donc, à ce titre, nous pouvons bah, tout simplement vous proposer vos futurs abonnements, que ce soit ADSL, fibre optique, portable
stabilité de vos numéros géographiques, les 04 quelque chose, ou 05, 06, 07, tout ce que vous voulez. Et nous sommes bien évidemment aussi opérateurs, on va dire 4G, 5G maintenant. On propose la 5G depuis le début du mois de juillet. Et encore une fois, MonIoT, tout ce qui est industrie 4.0. Voilà. Alors, une fois que je vous ai dit tout ça, eh bien, il me reste aussi à vous montrer la page des contrats. Alors, les contrats, vous avez sur cette page-là, tout simplement, le premier des rendez-vous, le premier des contacts qu'on peut avoir avec vous. C'est le 1, 2, 3, go, no, go. Et là, je pense que c'est quand même quelque chose qui est très innovant dans notre milieu. Je ne suis pas certain que beaucoup de mes confrères aient ce type de proposition à vous faire. Eh bien là, c'est très simple. C'est la première des choses, vous allez choisir le type d'assistance qui correspond à votre besoin, c'est-à-dire une assistance sur site, une assistance à distance, ou donc la télémaintenance. On va nous tester pendant 2 mois. Et au terme de ces 2 mois, eh bien, vous décidez go ou no go, c'est-à-dire on continue ensemble l'aventure, on continue ensemble d'assurer le bon fonctionnement de votre parc informatique, ou bien vous décidez, non, finalement, il y a un truc qui n'allait pas, et dans ce cas-là, on se quitte, bon ami, on aura testé, vous et nous, l'aventure, on va dire, en quelque sorte, de maintenir votre parc informatique. Ça s'est bien passé, eh bien, c'est merveilleux. Ça ne s'est pas bien passé avec notre offre 1, 2, 3, go, no go, eh bien, c'est pas grave. On en reste là, il n'y a pas d'engagement au-delà des 2 mois. Donc voilà, vous hésitez peut-être à changer de partenaire, vous hésitez tout simplement à prendre un partenaire, eh bien, avec cette offre-là, vous avez la possibilité tout simplement de le tester sans risque. Et puis, alors, quand on est un petit peu dans ce type de contrat, il nous manquait un contrat, enfin, il nous manquait non, parce que ça fait quelques années qu'on le propose à nos futurs clients, c'est la reprise concurrentielle. La reprise concurrentielle va nous permettre tout simplement de vous sortir un petit peu d'un marasme qui serait que vous n'êtes pas bien satisfait du prestataire actuel. Ce sont des choses qui arrivent avec toute société. Et bien, dans ce cas-là, on va vous proposer de reprendre votre contrat gracieusement, entre guillemets, c'est-à-dire que s'il vous reste une certaine durée, et bien cette durée-là, à condition bien évidemment de signer un contrat d'une certaine durée, eh bien, vous ne payerez pas les mensualités chez Carpe Diem. Donc, ça peut vous permettre tout simplement de vous sortir d'une situation un petit peu de conflit, un petit peu de blocage, et puis nous, de vous apporter cette superbe solution qui est la reprise concurrentielle. Et puis, eh bien, nous avons nos contrats de maintenance sur site, nos contrats de maintenance à distance, nos contrats de maintenance de votre sécurité pour sécuriser tous vos firewalls que vous pourriez avoir, mais sécuriser votre cloud également si vous avez le souhait d'avoir un prestataire qui s'occupe de votre cloud, la maintenance VOIP, donc de tout ce qui va être système de téléphonie, la maintenance évidemment d'IoT, pour vraiment vous faire, on va dire, toute l'opération de maintenance dont vous pourriez avoir besoin. Alors, si on revient sur la page principale, vous avez évidemment une rubrique de la sécurité. Vous le savez si vous êtes abonné à notre chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné, profitez-en. Nous sommes bientôt à 1000 abonnés. Ça serait vraiment cool qu'on le soit avant tout simplement la première semaine du mois d'août. Parce qu'il y a un an, nous avions 100 abonnés. Et j'avoue que ça serait quand même fantastique de se dire que il y a de plus en plus de gens intéressés à notre chaîne qui s'abonnent. Et alors, 10 fois plus en un an, ça serait juste spectaculaire, en tout cas pour nous. Voilà. Alors, dans la sécurité, on a fait beaucoup, beaucoup de vidéos sur la sécurité. Donc, je vais plutôt vous engager à aller sur notre chaîne YouTube et puis tout simplement à aller voir un petit peu. Mais si vous avez raté certaines de nos vidéos, sur le site internet, comme vous pouvez le remarquer, vous avez le logo, en quelque sorte, le pictogramme de YouTube sur certaines de nos rubriques du site internet. Ça signifie tout simplement que derrière, il y a une vidéo. Donc, vous cliquez dessus. Et puis là, vous aurez le plaisir de nous retrouver en vidéo pour vous expliquer un point ou un autre. Et alors là, en l'occurrence, on vous parle de ransomware, on vous parle de sécurité informatique, de coût de la sécurité, on vous parle du réseau, on vous parle de protéger vos fichiers. Alors par exemple, avec HideScript, là aussi, on vous a fait une vidéo très récemment. On vous parle également d'audit, parce que quand on parle de sécurité, on ne peut pas parler de sécurité sans parler d'audit. L'audit, c'est vraiment un très très bon moyen pour savoir où vous en êtes, où en est votre parc. Est-ce qu'on a vraiment quelque chose qui est bien protégé? Est-ce qu'on n'est pas très bien protégé? Est-ce que par exemple on a des firmware qui sont un petit peu vieillots sur des serveurs, sur des routeurs, sur des firewalls? Bref, voilà. Si vous êtes client de Carpe Diem,
Franchement, il n'y a aucun risque, tout simplement parce que juste à côté, vous pouvez voir la rubrique des tests fonctionnels. Ben, c'est quelque chose que nous pratiquons tous les 6 mois avec nos clients. Tous les 6 mois, nous remettons à plat un petit peu, on va dire, leur parc. C'est-à-dire qu'on passe sur chacun des postes, on passe sur tous les serveurs, on passe sur les firewalls, on passe sur les switches, on passe sur tout le matériel dont vous nous avez confié, évidemment, la maintenance. Et on va valider que durant ces 6 mois, il n'y a pas quelque chose qui n'aurait pas été suivi. Il n'y a pas quelque chose où par exemple, hein, parce que ça peut arriver que certains de nos clients ne nous informent pas d'un dysfonctionnement, ils font avec, ils n'ont pas bien noté que c'en était un. Eh bien, sur ce test fonctionnel, on va pouvoir justement remettre tout ça à plat et vérifier que si ce n'avait pas été détecté chez vous, eh bien que ça l'est par nos techniciens. Donc, l'audit couplé au test fonctionnel, c'est tout simplement un moyen pour vous, clients ou futurs clients, eh bien d'être certain de l'état de votre parc. Et quand on parle de sécurité, c'est très, très important d'avoir un parc qui soit entretenu et qui soit surveillé. Alors, bien évidemment, dans notre métier, on a des interventions au fur et à mesure de vos appels, mais l'audit et les tests fonctionnels, c'est une autre façon de s'assurer que les parcs de nos clients sont en bon état de santé. Alors, vous avez l'offre télécom de Carpe Diem, ce ne sont pas que des abonnements, et c'est la première petite vignette que vous avez là, c'est opérateur, oui, mais pas que, c'est-à-dire qu'on peut aussi s'occuper de votre infra, au sens infra, câble, vous avez l'envie de changer de locaux, dans ces nouveaux locaux, les locaux ne sont pas équipés ou câblés comme vous le souhaitez, nous avons la possibilité de venir tout simplement réaliser le câblage au sein de votre plateau, et c'est là justement un des derniers plateaux que nous avons équipé chez l'un de nos clients, qui est client depuis quelques années maintenant, qui déménageait, et là la petite baie que vous voyez, c'est une baie qui était en cours de montage, qui a été entièrement équipée après de ces serveurs qui ont déménagé également, et puis de nouveaux matériels qui ont été intégrés. Alors, au titre de tout ce qui est télécom, bien évidemment, on vous propose des abonnements Internet, on vous propose des abonnements voix, on vous propose également des abonnements voix 4G et 5G. Comme je vous l'indiquais, depuis début juillet, on propose des abonnements 5G. On propose également des abonnements data, c'est-à-dire que même si ça se fait pas forcément beaucoup encore aujourd'hui, mais ça peut quand même vous être utile, ne serait-ce que pour des backups de liens fibre ou de liens ADSL ou SDSL, on peut vous proposer des abonnements data, c'est-à-dire que c'est une carte SIM qui va disposer d'abonnements jusqu'à 500 gigas, si je ne vous dis pas de sottises. On peut donc vous proposer un routeur, une carte SIM de 500 gigas, et si à un moment donné, vous aviez une défaillance de votre lien principal, ça peut servir de backup. Et j'en profite pour vous donner une information intéressante, c'est que nous avons la possibilité de vous activer cette carte SIM en 3 heures. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, si vous dites, un jour, si on avait une défaillance au niveau de notre lien principal Internet, on prévoit le coup, on a un routeur, on a la carte SIM de Carpe Diem Telecom, mais on ne va pas l'activer tout de suite, notre abonnement, parce qu'on ne va pas aller payer pendant des mois pour rien. Aucun problème, on se mettra juste d'accord sur le type d'abonnement dont vous aurez besoin, et le jour où vous en avez besoin, vous nous dites, on a une panne, on ne peut plus travailler, on vous active la carte SIM, en 3 heures c'est activé, et vous pouvez basculer sur votre abonnement 4G ou 5G, ça dépendra un petit peu de l'endroit où vous êtes. Voilà. Autrement, bien évidemment, ça peut servir dans des tablettes, ça peut servir dans des téléphones portables si vous avez une double SIM, mais on a aussi des forfaits voix data pour les smartphones, c'est peut-être encore plus simple. Et enfin, dans la partie téléphonie, nous avons le mix de la téléphonie fixe qui sera en voix sur IP, bien évidemment, et avec le mix du GSM et la fonction One Number, c'est-à-dire un seul numéro pour vous joindre, que ce soit sur votre smartphone ou que ce soit sur votre ligne fixe. Donc ça, c'est une nouveauté, alors pas forcément à l'échelle de la téléphonie, mais c'est depuis juillet 2021 qu'on peut vous proposer cette fonctionnalité de One Number. Donc, si vous êtes intéressé, de toute façon, il y a un petit peu partout des petits boutons. Contactez-nous et on vous donnera des informations. J'en termine par la rubrique sauvegarde. La rubrique sauvegarde, c'est une rubrique où vous trouverez deux acteurs. Le premier acteur est Acronis. Acronis, on va vous proposer ici toutes les sauvegardes qui sont, on va dire, pas exclusivement, mais quand même de façon assez exclusive en mode cloud. C'est vraiment fait pour sauvegarder en mode
externalisée. Si vous avez besoin eh bien, d'une sauvegarde locale et cloud, je vous encouragerais à aller voir notre rubrique BIMO, car dans la rubrique BIMO, eh bien déjà, on débroussaille un petit peu le terrain, on vous explique quelles sont les bonnes et les mauvaises idées en termes de sauvegarde. Par exemple, les sauvegardes en disque dur externe, est-ce que c'est une bonne idée? Quand on ne fait pas de sauvegarde du système d'exploitation de ces serveurs, est-ce une bonne idée? Voilà. Quand on est en mode cloud, est-ce que c'est, on est serein? Est-ce qu'on n'a aucun risque? Je vous engage à voir la petite vidéo là sur OVH. Avec ce qui leur est malheureusement arrivé il y a quelques mois maintenant, et ça arrive à d'autres. Donc, est-ce que quand mes serveurs sont en cloud, est-ce que je ne risque rien? Est-ce que je n'ai pas besoin d'une sauvegarde? Évidemment que oui. Et pour finir dans cette rubrique BIMO, eh bien, nous vous présentons là les trois types de sauvegarde que nous proposons, on va dire assez régulièrement, BIMO to BIMO, BIMO to Cloud ou BIMO pour les professionnels de santé. Donc, je vous laisserai aller regarder toutes ces rubriques. Vous verrez que vous avez plein de choses à découvrir. Et donc, toutes ces rubriques, finalement, vous décrivent l'activité de Carpe Diem, notre façon de voir l'informatique, notre façon, bah, tout simplement, de travailler avec nos clients. Et justement, puisqu'on en parle, eh bien, les clients ont un accès, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, directement à notre GLPI, qui est notre logiciel de ticketing. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir, à travers notre site internet, bah, cliquer sur la bonne icône pour aller sur l'accès GLPI et aller suivre ainsi, tout simplement, leurs informations. Et je précise que pour les clients qui le souhaitent, notre GLPI est synchronisé avec leur domaine, avec leur contrôleur de domaine, ce qui signifie qu'ils vont pouvoir s'authentifier avec le même login password que celui qu'ils tapent le matin. Donc voilà, c'est que de la facilité et vraiment c'est quelque chose de très sympa que nos clients apprécient beaucoup. Vous avez juste l'icône à côté. Bon, bah là, ce sont les contacts, comment contacter Carpe Diem à travers nos réseaux sociaux, à travers nos emails, nos téléphones, etc. Et puis, vous avez l'icône de TeamViewer qui est juste à côté. Et l'icône de TeamViewer, eh bien, va vous permettre tout simplement d'aller télécharger notre outil de prise en main à distance. Vous serez automatiquement détecté, c'est-à-dire que si vous vous rendez sur notre site internet à partir d'un Mac, vous allez pouvoir télécharger le client TeamViewer Mac. Si vous vous connectez à partir d'un PC, ça sera le client PC. Et si vous vous connectez à partir d'une tablette ou d'un smartphone, eh bien là, le système Android, si c'est Android, vous proposera de downloader l'app qui va bien pour qu'on puisse prendre en main votre tablette ou votre smartphone. Alors enfin, vous avez notre chaîne YouTube que vous pouvez retrouver évidemment en haut et vous avez les mentions légales du site. Et les mentions légales, je vais terminer ainsi cette vidéo, bah, tout simplement pour remercier les développeurs qui ont participé dans ces deux années au développement de notre site internet. Donc je vais déjà remercier le premier, mais j'en ai déjà parlé tout à l'heure. C'est Tristan. Je vais aussi remercier Idriss. Je vais remercier Corentin. Et bien sûr, notre développeur en chef, Zacharia, qui se reconnaîtra parce qu'il va bientôt être dans une future vidéo sur Mon IoT. Puis vous avez pu le voir aussi sur Mon IoT dans des vidéos précédentes. Voilà, je vous remercie pour avoir tout simplement participé au développement de ce site qui a été vraiment un petit peu compliqué à développer. Hein. D'ailleurs, j'en profite. Si vous pouviez déjà me dire en commentaire ce que vous pensez de notre site, parce qu'on a pris quand même quelques risques. Hein. On n'avait pas rentré dans la norme, on n'avait pas rentré dans un, on va dire, dans un site web passe-partout. Donc, quand on prend des risques, bon, parfois on a des risques aussi d'avoir des remarques un peu, on va dire, moins sympathiques, mais on peut aussi avoir des remarques sympathiques. Et si vous avez des remarques à faire, alors, si ce sont des sympas, c'est merveilleux. Si ce n'est pas des sympas, ma foi, on savait les risques qu'on prenait. Mais voilà. En tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous pensez tout simplement de ce site internet. Nous, on est ravis de notre site. Hein. Je vous le dis, ce site-là, pour nous, ça représente vraiment ce qu'on aime faire. C'est-à-dire que c'est un site qui, certes, a mis du temps. Alors, encore une fois, on n'a pas fait que ça, mais c'est un site qui a mis du temps. Mais il a mis du temps parce qu'on a utilisé des outils tout simples. C'était notre pas de plus. Allez sur notre site. Si vous détectez des petits bugs, si vous détectez des petites incohérences, si vous détectez, je sais pas, parfois, vous savez, par exemple, avec le site qui bouge un petit peu dans tous les sens, avec les vignettes qui bougent un peu dans tous les sens, ça a été parfois un petit peu difficile
à faire du responsive sur tout type d'écran, eh bien mettez-le nous en commentaire, ça nous rendra service. Vous nous indiquez un petit peu la résolution d'écran, vous nous indiquez le navigateur, votre poste informatique, et puis ben, comme ça on pourra corriger et puis on vous enverra une petite dédicace sur la zone des commentaires. C'est donc ainsi que va se terminer cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas moi je suis ravi d'avoir pu enfin vous faire cette vidéo. Alors n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez surtout pas à partager parce que 2 ans de travail quand même, ça mériterait bien un petit partage. Et puis ben, mettez en commentaire encore une fois ce que vous avez pensé de notre site web. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances, car bon bah là nous sommes un petit peu dans la période. Revenez bah, tout bronzé, en forme, reposé. Nous on va aussi prendre un petit peu de vacances à tour de rôle et je vous dis bah, à la rentrée si je ne vous vois pas avant, sinon bah, vous pourrez toujours nous suivre sur la chaîne de Carpe Diem. Allez, reposez-vous bien, profitez bien de vos vacances. À très bientôt.